Allez, salut tout le monde, c'est Tas de Récupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 72 de notre aventure 100% sur Super Mario 3D World plus Bowser Fury. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Alors, petite précision les amis, avant de commencer la vidéo, au cas où, c'est un planning prioritaire cette semaine. Donc au cas où, si vous savez pas ce que c'est le planning prioritaire, au cas où je vais vous le dire quand même sur chacune des premières vidéos qu'il y aura sur chacun des let's play, vu que c'est la première vidéo, vu que ce let's play est concerné, parce que oui, au cas où ce let's play est concerné par le planning prioritaire. Un planning prioritaire, tout simplement, c'est un similaire dans, comme l'ancien gros planning, hein, la version du gros planning d'avant. Donc il y aura 32 vidéos cette semaine, 32 vidéos de, alors 8, normalement 12 let's play différents. Donc oui, hein, c'est quand même pas mal, de 12 let's play différents. Et du coup, bah, les amis, en fait, pour vous, en gros, vous situez un petit peu la chose. Les vidéos prioritaires sont tout simplement des vidéos qui est obligée d'apparaître durant les durant la semaine. Donc, par exemple, sur des gros plannings, sur des mini plannings, sur des extra plannings. En gros, c'est vraiment des vidéos qui est obligatoire apparaître tout simplement. Et donc du coup, au cas où je pense que vous avez imaginé que du coup, enfin, vous avez compris que il y a eu du coup des nouveaux, hein, planning prioritaire. Pour faire un planning prioritaire, il faut quand même que j'extende un petit peu, on va dire, le chiffre de planning prioritaire, enfin, en tout cas de let's play prioritaire. Et donc ce let's play en fait partie, hein, ce let's play en fait partie. Alors je vous le dirai que pour ce premier épisode, enfin en tout cas ce premier épisode concernant la priorité de ce let's play, hein, je vais faire ça par let's play, comme ça au moins vous êtes au courant. Et donc du coup voilà, donc dites-vous que du coup à partir de maintenant et ce jusqu'à la fin de ce let's play sera prioritaire. Et du coup, bah, il pourrait prendre par exemple la place d'un potentiel Zelda Breath of the Wild, par exemple dans un mini planning, dans un micro planning, ou dans un planning à thème, ou vous voyez, ça peut vraiment prendre une place au cas où. Donc c'est pas sûr, hein, mais dites-vous que voilà, ça peut arriver. Si par exemple j'ai pas envie de faire du Legend Pokémon Arceus dans la semaine, bah, ça peut tout simplement prendre la place d'un Legend Pokémon Arceus. Donc voilà, donc je pense que vous imaginez que du coup il y aura plus de 3D World en dehors des dates où il y a des plannings prioritaires, enfin en tout cas les let's play prioritaires. Donc par exemple pour un micro planning, il y aura pas de 3D World un mardi par exemple, il y aura ça sera toujours un lundi, sauf si le planning évolue, mais ça sera toujours un lundi tout simplement, ou un jeudi, ou je sais plus quoi, hein, ou c'est que dans les cases orange, voilà, que vous voyez vous pouvez voir en description. Donc du coup moi vous êtes au courant. Voilà, vous êtes au courant, donc un planning prioritaire, sachant qu'il y aura du coup deux épisodes cette semaine, parce que j'estime que dimanche, avec les vidéos bonus, c'est un peu, c'est aussi un petit luxe, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, après 22h, les amis, vous aurez du coup, à 22h45, le prochain épisode de ce jeu, évidemment, de ce let's play. Voilà tout, donc je vous ai détaillé ça qu'aujourd'hui, hein, on fera pas ça pour les futurs épisodes, mais au moins, vu que vous découvrez ça. Et donc du coup, quand le let's play sera terminé, tout simplement, ça prendra tout simplement la place, enfin il va y avoir un autre let's play qui prendra sa place, et dès que l'autre let's play sera terminé, etc, etc, comme ça au moins voilà, on est tranquille. Donc au moins vous êtes au courant. Donc évidemment le planning prioritaire qui au cas où va revenir souvent, hein, sur la chaîne YouTube. Dites-vous que c'est un planning que j'inaugure, hein, c'est la première fois que il paraît sur la chaîne. Donc on verra un petit peu ce que cela donne. Donc au moins vous êtes au courant. Et du coup bah écoutez, c'est parti. Alors du coup, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, tout simplement, on s'était attaqué à notre quête pour les 5 derniers tampons du jeu, avec du coup la maison mystère, évidemment, avec Mario, Luigi, Toad et Harmony. Donc elle est là, la petite guéguerre dans la maison mystère. Et aujourd'hui, on va tout simplement s'attaquer à Gorge aux doubles cerises avec Mario, Luigi, Toad et Harmony. Donc c'est l'avant-dernier niveau, hein, de ce monde. Donc c'est bien cette... enfin, aujourd'hui, enfin, si on compte l'épisode qui va arriver après, on pourra terminer tout simplement ce monde 2 à 100%. Et du coup attaquer le monde 3 une des prochaines fois. Et donc du coup bah, c'est parti les amis, en route. Donc évidemment du coup ça me permet tout simplement de varier un petit peu, ça me permet d'éviter une certaine lassitude, on va dire, sur les let's play prioritaires. Comme ça au moins ça me permet tout simplement de varier un petit peu les plaisirs et moi mon plaisir un petit peu personnel. Hop, donc du coup voilà quoi. Hop. Thank you.
Et du coup, bah écoutez, c'est parti. Voilà. Tac. Hey, hey. Allez, on est de checkpoint. Alors, donc évidemment le but hein, est de finir aussi le niveau comme d'habitude. Oh, attention. Et voilà. Donc avec Mario, ça sera fait. Donc en tout cas, j'espère que ce planning prioritaire quand même va vous plaire, hein, les amis, parce que moi vraiment, voilà, j'espère que cette inauguration va vous plaira. Au cas où, il y aura un dernier gros, enfin un dernier planning tout simplement qui reste à inaugurer pour le moment. Alors au cas où, je le réserve pour un peu plus tard. Je pense le réserver au moins peut-être pour juin, je dirais. Donc c'est reparti avec Luigi, mais je pense peut-être pour juin ou juillet, ça dépend. Normalement, ça serait pour juin ou juillet, normalement. Donc voilà, et c'est un, au cas où, c'est le plus gros planning de la chaîne. Dites-vous que, oui, c'est vraiment le plus gros planning de la chaîne. Hein. Pour que vous soyez au courant, c'est, dites-vous que c'est même, au cas où, le plus gros planning world record qui existe. Donc voilà, quoi, c'est... Vous allez voir, c'est vraiment... abusé, donc voilà, il en restera plus qu'un seul. Et puis comme ça on aura fait un petit peu tous les formats que je souhaite tout simplement actuellement. Sachant que du coup ben comme vous le savez hein, vous pouvez voir l'actualité quand même dans ma sur le planning, il est souvent mis à jour hein, régulièrement. Ça me permet, il est également mis à jour pour savoir par exemple ben, quel let's play il manque tout simplement. Donc, enfin, genre les let's play que j'ai déjà enregistrés, par exemple sur celui qui est tout court, les différents let's play info concernant le nombre d'épisodes, les let's play. Bon, bref, vraiment, tout ce qu'il faut en fait, tout simplement. Tout ce qu'il faut. Donc, j'espère en tout cas que au moins ça vous plaira. On verra un petit peu comment on peut arriver à tourner tout ça. Mais voilà quoi, donc, comme ça, ça vraiment, il y a un large panoplie de planning. Et c'est super quoi. Et du coup, c'est reparti avec Toad. Et du coup, c'est parti. Ah, pourquoi j'ai mis cette version et pas la version Wii U? Parce que dites-vous que la version Wii U, voilà, c'est celle qui... Voilà, c'est pas ma préférée. Alors, même si j'adore 3D World, hein, vous êtes au courant, hein, c'est pas pour rien qu'il y a 100 épisodes dans la version Wii U. Mais dites-vous que ma version vraiment préférée de 3D World, c'est vraiment celle sur la Switch. Et donc du coup, vu que maintenant je veux plus me casser la tête, dans le sens je me casse plus la tête en fonction du nombre d'épisodes ou quoi que ce soit. Donc dans le sens, avant je voulais pas que ce let's play là prenne, on va dire, ait plus d'épisodes alors que l'autre let's play n'était pas fini. Maintenant je m'en fous un petit peu, voilà. Hein, c'est comme Xenoblade, hein, par exemple, vraiment je m'en fous littéralement. Alors oui, c'est vrai que c'est surprenant qu'il n'y a pas eu d'Exonoblade ou de Fire Emblem en prioritaire, les amis. Mais dites-vous que c'est fait exprès. Voilà, c'est fait exprès. C'est fait exprès, voilà. Sachant qu'au cas où, il y aura bientôt, je dis bien alors, je sais pas quand, mais il y aura, mais alors, bon, vas-y, monte. Il y aura tout simplement bientôt un planning à thème. Enfin bientôt. Normalement je suis censé faire le prochain planning à thème en mai. Normalement, enfin je voulais le faire en avril, mais c'est compliqué, donc je pense le repousser en mai. Et donc du coup, logiquement le prochain planning à thème sera en mai. Donc ce sera un planning à thème sur les Mario 3D hein, sur l'espèce du coup sera concerné. Il manque plus que Rosaline. Et ensuite on passera tout simplement sur un planning à thème Fire Emblem. Oui, je suis sérieux. Je suis sérieux parce que vraiment ça me fait bien plaisir donc. Donc évidemment, hein, vu qu'il y a eu Fire Emblem Engage sur la chaîne, il y a eu Fire Emblem Warriors, il y a les Fire Emblem Warriors Three Hops et Fire Emblem Three Houses. Évidemment, c'est 4 let's play minimum maintenant que je m'autorise pour un planning à thème. Donc ça permet tout simplement. Donc dites-vous que par contre, hein, il y aura plus de 8 épisodes dans la semaine. Vu que je vais quand même compléter. Bah alors. Ok. Allo? Ok. What the fuck, ça a bugué. Alors évidemment, du coup, oui, il y aura plus de 8 épisodes dans la semaine. Hein, concernant.
super. Concernant hop, Fire Emblem. Parce que vu qu'il y a 4 épisodes et vu qu'il y aura une cinquantaine de vidéos, bah vous faites un calcul. Normalement, il est censé en avoir 10 ou 11. Je sais pas comment je vais m'organiser pour ça, mais voilà, moi vous êtes au courant. En même temps, ça permettra de bien avancer. Et du coup, comme ça, on a fini l'épisode. Bah écoutez, ça s'est très bien passé. J'adore trop. Ce jeu est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment un jeu anti-dépression, je vous le dis. C'est un jeu anti-dépresseur. Bon, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour maintenant. Écoutez, pour cet épisode, on se retrouvera du coup, les amis, plus tard dans la soirée à 22h45 pour l'épisode de 73, dans lequel on ira compléter le dernier niveau de ce monde 2 à 100%. Dans lequel on fera du coup la brigade Bill Balls, moi je préfère. Et donc, du coup, on ira le faire avec Mario, Luigi, Toad et Harmony. Donc soyez au rendez-vous dans le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 72 de cette aventure 100% sur Super Mario 3D World plus Bowser. Et on se retrouve à plus tard dans la soirée pour l'épisode 73. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.